Faisait hier à l'hôtel de région à 90 kg, 150, une mesure 1m80, soutenu par Salida Promotion. Au 35 ans. 15 combats, 14 plus petit, victoires et il est âgé de gaucher, 35 ans. Plus lourd en revanche hier, rouge, lors de la pesée. Constantine Pégénaro. Invaincu chez les professionnels. On l'a dit, seulement deux combats en 35 mois pour Bégénarou. Alors qu'Arsène Goulamirian enchaîne un deuxième championnat du monde en très peu de temps. Champion de France et champion intercontinental. Ah, il n'a pas eu de problème pour faire le poids, titre, il y a vu qu'il n'a pas coupé. Ouais, voilà, une petite semaine. À 9 kilos, c'est bien. De Bercy, dans le coin bleu, le champion WBA des lourds légers, Arsène Féroce. Quelle ambiance, quelle ambiance. Comme d'habitude dans ce palais des sports de Marseille pour Arsène Goulamirian. Les trois juges, un Péruvien, un Polonais, un Espagnol et donc l'arbitre allemand. Pour ce quatrième championnat du monde d'Arsène Goulamirian, le troisième dans ce palais des sports de Marseille. Après ses victoires sur Mery, sur Flanagan. C'est parti. 43 jours après avoir battu à Bercy. Watts. Arsène Goulamirian est de nouveau sur un ring et de nouveau pour défendre sa ceinture mondiale WBA des lourds légers. Face à lui, Constantine Bégénarou. Invaincu aussi chez les professionnels comme Arsène Goulamirian. Avec cette équation à résoudre dans les premiers instants, le fait que son adversaire, Fabrice, soit gaucher, c'est seulement son troisième gaucher. Oui, voilà, bon, il a eu un mois et demi pour préparer un gaucher. Avec deux sparring gauchers là-bas. Oui, voilà, donc il n'y a pas de raison, mais c'est vrai que ça fait plus réfléchir. Hein. Les réflexes ne sont pas les mêmes. Avec une différence de taille qui va obliger Bégénarou à casser la distance, à prendre des risques. Mais c'est un peu son profil. Il va vite pour un lourd léger, vite de bras. Comme tout gaucher travaille bien au foie. Et là encore, en sortie de corps à corps, il a été touché Arsène Goulamirian par le bras arrière de Bégénarou. Sa première chance mondiale. On n'a pas l'impression qu'il est impressionné ni par l'environnement, ni par l'adversaire invaincu, ni par le fait justement que ce soit une première chance mondiale. Pas du tout inhibé. Oui, ouais, vite de bras, oui. Arsène qui a du mal à commencer le combat. Toujours prudent hein, dans ses entames de combat, Arsène Goulamirian. Ça avait été le cas aussi face à Mery, face à Flanagan. Prendre la température, la distance, les points forts et les faiblesses de l'adversaire. Dernière seconde de cette première reprise. Et la fin de ce premier round. Bonne entame de la part du challenger. Exactement. Listen. Et qui dit championnat du monde, bien sûr, scorecard, la vôtre, Fabrice, on rappelle les règles.
round par round. Ah, il est déjà ouvert, Degenaro. Tête à tête, mais ça c'est gaucher droitier. Outside, not in front, right? Yes, but you step outside, okay? Step outside and you throw that shot right there. Just keep throwing. Okay, that blood must be his already, okay? Yeah. Oh! Deep breath. Toujours beaucoup de sourires, de calme de la part d'Abel Sanchez dans le coin d'Arsène Goulamirian. Et on retrouve les deux hommes à l'appel de la deuxième reprise. Il avait envie de terminer 2019 à Marseille avec son championnat du monde, cette défense de titre Arsène Goulamirian, mais qui veut aller réunifier la catégorie en 2020. Aller relever d'autres défis, mais pour l'instant il est concentré sur ce combat. Bien compact là, bien bloqué en défense. Arsène ouvert, ouais, on dirait. Comment, ouais. L'œil gauche. C'est Goulamirian qui essaye de cadrer, mais pour l'instant, cible compliquée à toucher. Oh, la droite! Là, celle-là, elle a touché, elle a été nette de la part d'Arsène Goulamirian. Oh, c'est parti vite, c'est parti fort, ce championnat du monde. Épreuve de force de la part des deux hommes. Ouh, le crochet du gauche et la réplique de Begenaou. Allez. Il se découvre beaucoup là, Begenaou. Et Arsène Goulamirian qui démarre son pressing. Et voilà, ouais, il a pris son temps. Il a été ouvert, on n'a pas beaucoup de tête, donc c'est sûrement sur un coup. Et voilà, il faut y aller maintenant, oui. Il n'y a pas de calcul hein, chez Begenaou. Il donne vraiment tout sur tous les coups, avec notamment son bras arrière. Il est capable de tenir la distance et cette intensité-là, ce rythme-là. On sait quand même que physiquement, il est exceptionnel, Arsène Goulamirian. Encore la droite pour préparer les attaques. Il avait trébuché. Il prend des coups, Arsène, faire attention. Oui. Oh, on se rend coup pour coup dans cette deuxième reprise. Ah, il est marqué aussi. Au niveau du visage, Goulamirian. Quel deuxième round. Ah, faudrait pas que ce soit un combat piège. It's nothing, okay? But I want you to throw it as a hook, not straight. You got him up against the ropes, he's got to be this way. Both of them this way, not straight. Head, c'est body, vraiment avec les droites hein, qu'il a réussi à toucher Begenaou, mais il y a eu aussi des répliques de challenger. You remember Luis, right? No problem, okay. So I don't want you to throw the shot straight. When he's up against... Il est marqué à l'arcade gauche et la pommette droite. Oui. Donc les coups de Begenaou font mal quand même. Troisième round. Ouais, Begenaou qui hier à la conférence de presse parlait d'un vrai jeu d'échecs sur ce ring de Marseille. Alors pour l'instant, c'est pas vraiment une partie d'échecs. Il est plus dans l'épreuve de force. Ouais.
Enfin, ou alors c'est une partie d'échec musclé. Exactement, très musclé. Même. Faire attention que Benéjarou ne prenne pas confiance parce qu'il a fait deux bons rounds là. Ah, faut pas subir comme ça. Non. Travailler en force. C'est toujours compliqué hein, d'enchaîner deux championnats du monde avec donc deux préparations à haute intensité hein, en si peu de temps. On rappelle 43 jours après sa victoire face à Watts. Il y a eu une semaine de coupure pour Arsène Goulamérian. Il est reparti dans les montagnes de Big Bear, dans le froid, la neige, avec encore une grosse prépa de 4 semaines. C'est souvent ce qu'il y a de plus difficile, c'est de garder de la fraîcheur. Oui, et puis non, ouais, il se fait toucher. Et puis de garder l'envie, garder... Celui-là, c'est vrai qu'il manque de jus et il a l'air un peu lourd. Et le bras arrière encore. Et son adversaire va vite de bras, ça l'aide pas. Ouais. Ça s'est bien bloqué de la part de Goulamérian qui essaye de cadrer, de l'enfermer. Oui, mais c'est encore enfermé, oui. Le premier. Et pour l'instant, la vitesse est du côté de Challenger. Ça manque de réaction, oui, d'Arsène. Allez. Trouver la solution face au gaucher. Mitch a là, encore pris le bras arrière de ça va, ça va un peu trop vite. Dernière seconde de ce troisième round. Et encore un bon round du challenger. Ouais. Ça part pas Arsène là, il n'est pas lourd, hein. Mais il paraît lourd, quoi. Il n'y a pas trop de réaction. Throw it, trust me. Yes, long right hand, long. Okay. You're allowing this man to work because you're just waiting. There's no reason to wait. Arsène, Sanchez qui lui a dit, fais-moi confiance. La clé, c'est la droite. C'est la droite, bien sûr. Mais là, ça manque de vitesse. C'est lui qui se trompe de vitesse. Quatrième round. Championnat du monde WBA des lourds légers. Le champion, c'est Arsène Goulamérian. Pilote rouge. Dans une tenue de Père Noël. Et face à lui, Bejenaru. Qui avait bien aimé d'ailleurs dire que ce serait un beau cadeau de Noël empoisonné. Il va affronter dans cette période-là. Tiens, qui est pour l'instant au rendez-vous de sa première chance mondiale. C'était d'ailleurs croisé, c'était en amateur, lors des Jeux de la Francophonie au Liban en 2009. Arsène Goulamérian était allé chercher la victoire en moins de 91 kg. Bejenaru s'était imposé en moins de 81. Et il s'était croisé sur les lignes là-bas. Il essaie de placer la droite, là, que lui demande Abel Sanchez. Il met un peu plus la pression en fait, d'être un peu plus à mi-distance. Parce qu'à distance, il est plus rapide de la jolie. Bon, je fais pareil. Bejenaru même. Oui. Vous l'avez. C'est à cause de Philippe.
Expérience maintenant, hein. Arsène Goulamirian pour laisser passer, prendre son temps, trouver la solution au fil du combat. Ça avait été le cas aussi face à Ariane Mery, on s'en souvient, ça avait été une première partie de combat compliquée pour Arsène Goulamirian qui avait su faire la différence en deuxième partie. Ah, ça c'était pourtant bien fait, la tentative du percute, mais joli retrait du buste de BG Naru. Étonnant, hein, pour l'instant, oui. Par sa mobilité, son coup d'œil, le fait vitesse de bras, oui. Oui, voilà, exactement, avec simplement oui. Le bras arrière, tout seul. Non, ça part de trop loin, là, cette tentative. Il n'y a pas de jus, il n'y a pas de jus. Celle-là, elle est belle, cette droite. Oui. Et il l'a reçue de plein fouet, la BG Naru, qui essaye de répliquer. Elle avait bien réussi à cadrer. De droite pour boucler ce quatrième round, se rassurer, reprendre confiance. Okay, now, you saw that, okay? So, water. Why can't we have it all the time? Now, right here against the ropes, you threw straight. That's straight. Turn an angle. And alors, here, la zone d'impact canal, concoctée par Saïd Benajem, avec les coups reçus par Arsène Goulamirian. Et les coups reçus un peu sur toutes les surfaces de frappe. Oui. Alors que pour l'instant, il n'a pas réussi une seule fois à toucher au corps BG Naru. Et puis surtout, pour l'instant, il a pris plus de coups, tout simplement. Arsène Goulamirian, des coups précis, des coups nets. Très révélatrice, là, cette zone d'impact. Cinquième reprise. Et encore une fois, avec son bras arrière, là, dès les premières secondes. Explosif. C'est aussi parce qu'il est gaucher qu'il ne peut pas atteindre le corps pour l'instant, Arsène Goulamirian, ou c'est parce qu'il se concentre sur la consigne d'aller pour l'instant avec sa droite? Non, parce que contre l'adversaire, je pense qu'il est trop rapide en fait. Et là, il n'a pas le temps. Puis les petits. Et comme son adversaire va beaucoup plus vite de bras, c'est compliqué de repousser du taper en bas. Quoi. C'est lui qui touche. Allez, la droite. Oh, elle a fait mal celle-là. Elle a été précise avec le poids du corps. Et il a aussi quand même une belle qualité d'encaisseur. Bah oui. Pour toujours de la même façon. Ouais, bon jeu défensif, hein, de la part de BG Naru. Ouais, là encore le bras arrière qui touche Arsène Goulamirian, ouais. Qui est bien marqué, hein, côté droit.
c'était mal donné, mais ça a touché. Oh, lui percute. Ça a été donné dans le même temps que le coup de Bejenaro. C'est incroyable hein, pour ouais. l'instant, hein, cette entame de championnat du monde. Il encaisse les coups. Est-ce qu'il est capable de les encaisser pendant 12 rounds? Fin de cette cinquième reprise. Il y a une très bonne droite, mais il prend pas mal des remises, il est toute série. Alors, un petit point sur votre scorecard, Fabrice, avec un avantage pour l'instant d'un point à Bejenaru. Alors, parce qu'on a quand même des yeux et des oreilles un peu indiscrètes oui. autour du ring. Pour l'instant, juste avant cette cinquième reprise, deux juges avec comme vous match nul et le troisième juge avait avantage à Bejenaru, oui. qui donc a remporté aussi le round suivant. Et pour l'instant, le challenger est devant. À l'entame de cette sixième reprise. Il cherche trop dur, Arsène. Faut construire, mais après, faut lui faire pression parce qu'il va trop vite de bras. Il est trop rapide de bras, Bejenaru. Allez, faut y aller. Allez, mettre la pression. Attention, il a glissé dans son coin. Il y a beaucoup d'eau. Ça c'est bien. Voilà le premier coup au corps délivré par Arsène Goulamirian. Et la première accélération aussi de trois coups. Ah, il va rester dangereux quand même hein, sur ses coups comme ça lorsqu'il se lance. Bejenaru. Oh, la réplique du challenger. Ah, il a encore pris le crochet du droit. Et le travail au corps, et on remonte à la face. Et il a un petit peu marqué sous l'œil, là, Bejenaru. Son œil gauche. Et il saigne. Ça y est, la pression est mise. C'est dans ce round-là hein, qu'il avait accentué sa pression sur Flanagan. Avant de terminer après. Un premier moment difficile du challenger oui, là, dans oui. ce championnat du monde. Il a mieux travaillé, il a plus varié Arsène Goulamirian. Il essaye de cadrer. Encore 30 secondes dans ce sixième round. Crochet du gauche. Ah, il s'est assis dans les cordes des Bejenaru pour amortir les coups d'Arsène Goulamirian. Il n'a pas beaucoup de combats professionnels, mais une carrière tellement longue qu'il a quand même de l'expérience. Et la fin de cette sixième reprise, c'est la meilleure reprise d'Arsène Goulamirian depuis le début du combat. Make the big bomb happen.
body. But it's got to be together, though. It's got to be together. It's got to be two or three of them. Close. Okay. Deep breath. It's got to be together, Arsene. You got to be together, okay? Il a été plus actif, plus précis, Arsène Goulamirian. Ça s'est resserré hein, en nombre de coups reçus. Il avait pris de l'avance de Gennaro. C'est vrai que cette sixième reprise a sonné le réveil d'Arsène Goulamirian. Et on a vraiment retrouvé le destructeur Goulamirian. Il a beaucoup plus varié. Voilà, une plus grosse pression. Il a varié un peu plus en haut, en bas. Et puis son adversaire commence à être un peu fatigué aussi. Et un bon travail d'Arsène. Ça y est, c'est reparti là, voilà. Et au niveau des juges, toujours match nul pour deux juges et toujours un petit avantage d'un point pour le troisième juge en faveur de Degenaro. Elle commence quand même à reculer, à subir les impacts. La puissance. Top et Arsène, voilà, qui commence à mieux travailler. Elle prend le crochet droit. Travailler, oui. Parce que là il est en train de travailler comme il l'avait fait sur les premières reprises. Voilà, ça c'est mieux. Il les encaisse les coups. Hein. Ah oui, ça il les encaisse. Parce que là encore le crochet du droit, bah ouais, mais il a bien claqué. Ouais, ouais. Celui-là aussi. Et il enchaîne Arsène Goulamirian. L'accélération! Ouais, mais cette fois, il est en difficulté. Degenaro. Il ne sera pas compté. C'était une mauvaise position de jambe. Ouais. Et puis, il s'était appuyé. Arsène Goulamirian. Oh, la droite. Droite! Au menton, il a vacillé. Sur les talons, oui. Oh, les appuis se sont dérobés là. Il est resté en suspens sur cette droite de Goulamirian. Degenaro. Quelle septième reprise! Ah, c'est dans cette septième reprise-là qu'il avait trouvé la solution au corps face à Flanagan, dans ce même palais des sports. Et cette fois, c'est le crochet du gauche. Ça sent la fin, allez. La fin de cette septième reprise. Il a retrouvé sa bonne dynamique depuis deux rounds, Arsène Goulamirian. Six punches, just throw them one. It may be harder, but it doesn't matter. They're landing and yours are not. You got all these people here came to see you and here you're putting on an egg. Come on, you gotta work. Allez, un petit point sur la zone d'impact de Canal. Il n'est pas très content avec Sanchez. Il lui a demandé de ne pas trouver d'excuses et de continuer à travailler comme ça. C'est vrai que ça s'est resserré au niveau des coups reçus. Même s'il y en a encore un petit peu plus de la part d'Arsène Goulamirian, mais depuis deux rounds, on a retrouvé le destructeur Arsène Goulamirian, qui a fait mal, très très mal à Degenaro. Et c'est court, 60 secondes pour récupérer quand on est dominé. Thank you.
commence toujours bien ses rounds. Légionnaire, c'est toujours lui qui touche le premier. Continue à être explosif hein, dans ses enchaînements. Le Gennaro qui pour l'instant fait un bon huitième round, mais il a été touché. C'est ce qu'il essaye de faire, le Français. Allez, encore 20 secondes dans ce 8e round. Allez, les coups les plus nets pour l'instant ont été donnés par le challenger dans cette 8e reprise. Et la fin de cette 8e reprise. Voilà, tu viens de lui donner le round, ne donner que deux coups. And stop this. Back off. You're letting them rest. Does that make sense to you? Okay. Understand that, right? You let him rest. Referee has to count. Back off. Don't push him. Okay. Hit him. Okay. You understand that, right? You understand that you're giving him a rest. Il faut pas le laisser respirer. Hein. Faut pas qu'il trouve un second souffle. Continuez de le pousser, lui mettre la pression. Le mettre dans le rouge, tout simplement. Et on attaque le 9e round de ce championnat du monde. WBA des lourds légers. Voilà, comme ça, c'est plus rapide de la part de l'arbitre. Il reste 4 rounds. Et rien n'est fait. Oui, oui. Voilà. Ça c'était bien esquivé, il n'a pas pu remiser là, Arsène Goulamirian. Ça va être compliqué quand même hein, de trouver la solution sur un coup. Exactement, oui. Gennaro nous a montré qu'il encaissait bien les coups, oui. Enfin, qu'il encaisse bien les coups d'Arsène déjà. Et c'est vrai que sur un coup, ça va être compliqué. Oui. Il a vraiment été en difficulté sur des séries. Ah, le crochet du gauche pour le premier voyage en tapis
Olivier Génaroux. Ah, il a trouvé l'ouverture sur une attaque du challenger Arsène Goulamirian. Et le premier voyage au tapis dans ce championnat du monde. Ne pas le laisser respirer, ne pas le laisser récupérer. Il va être dangereux quand même avec ses coups. Le challenger. Il reste une minute. Allez, ajuste, ajuste. Encore des supercutes. Les droites. Oh, il est dur au mal. L'arbitre va arrêter. Et il est au bord du chaos là. Mais Génaroux, même s'il donne encore le bras arrière, 45 secondes encore dans ce 9e round. Ah, il a plus envie. Il a plus envie. Il a mal, hein. Il a mal le challenger. On sent aussi hein, au niveau des appuis, même s'il y a encore des séries. C'est un peu un instinct de survie avec ses coups de la part de Bégenarou. Bien le cadré. Encore 15 secondes. Et la fin de cette 9e reprise avec un voyage au tapis. Et la volonté d'Arsène Goulamirian de prendre son temps, ne pas commettre d'erreur après le voyage au tapis. Mais ça, c'est toujours bien. En plus, on voit bien quand même qu'après, il a quand même des bonnes réactions. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas trop se jeter. Il faut prendre son temps et bien l'ajuster. Oui. Et on arrête. On arrête, on ne laisse pas repartir Constantine Bégenarou. Sage décision du coin du challenger qui semblait effectivement épuisé physiquement, notamment après ce voyage au tapis, et victoire avant la limite d'Arsène Goulamirian. Il a souffert tout de même. Oui, une défense très difficile. Alors après, pour son adversaire, il n'était pas facile à boxer. Il était rapide de bras, il lui a causé quelques petits problèmes. Arsène, moi je ne l'ai pas trouvé très rapide, je trouvais un petit peu... Il cherchait un peu son rythme, voilà. Là, il est beaucoup plus fort, donc il a réussi à imposer sa force, son punch. Mais c'est un adversaire qui a des problèmes, voilà. Alors après, moi, Arsène, j'ai pas pris comme d'habitude. Voilà, donc il y avait des problèmes de son adversaire, mais Arsène, il n'était pas non plus... deux combats d'affilée comme ça, des préparations. Je ne sais pas si c'est ça, hein. Mais voilà. Mais avec cette victoire avant la limite, il conserve son titre mondial WBA des lourds légers. Il n'a presque pas pu savourer finalement cette victoire avec le fait que le coin de Bégenarou retienne le boxeur. C'était pas une joie comme les précédentes. Bah, c'est toujours un piège, hein, on l'a vu tout au long de l'histoire de la boxe. C'est vrai, enchaîner comme ça deux championnats du monde en peu de temps, la zone d'impact canal. Avec finalement une grosse accélération d'Arsène Goulamirian sur les dernières reprises. Alors qu'il était largement en retard, hein, il avait reçu plus de coups que son adversaire dans la première partie. Et donc, déclaré vainqueur par TKO à l'appel de la 10e reprise, et toujours champion WBA des lourds légers, Arsène Féroce Goulamirian. Palais des Sports de Marseille, debout pour une nouvelle victoire d'Arsène Goulamirian. C'était son 4e championnat du monde, le 3e dans ce palais des sports. Pour une nouvelle victoire avant la limite, il a souffert, Arsène Goulamirian, mais il a prouvé qu'il était un grand champion avec de vraies ressources pour aller chercher une nouvelle victoire avant la limite. Il faut être deux pour faire un grand championnat du monde. Complètement. Et c'est vrai que pour cette première chance mondiale, il a vraiment été à la hauteur du rendez-vous, Bégenarou. Bah oui, en plus, il n'a pas beaucoup de combats. Il est,
comme on l'a dit avant, il a fait deux combats en 34 mois. Oui, oui, il a tenté sa chance. Il était rapide de bras. Voilà, il a causé des problèmes à Arsène. Maintenant, je pense que peut-être qu'on saura pourquoi ou je ne sais pas. Mais Arsène n'était pas dans un grand jour non plus. Allez, il savoure, comme d'habitude, ces moments-là. Arsène Goulamirian, et on va bien sûr le retrouver aux côtés de Philippe. Arsène, alors je m'excuse de commencer l'interview comme ça, mais ça fait longtemps qu'on ne vous avait pas vu aussi marqué que ça. Ça a été vraiment un rude combat. Rude, si c'est le mot. Par contre, ce qui est sûr, c'est que j'ai du mal avec les gauchers. J'ai du mal, j'avais deux sparring. En fait, comme il me dit le coach, j'arrive pas à trouver ma position de frapper comme je le sens, en fait. C'est des coups, certes, peut-être qu'ils sont puissants, c'est lui qui va les sentir, mais moi, je ne suis pas à l'aise, en fait. Et j'ai eu le même problème avec Mitch Williams à Evian. Je ne suis pas à l'aise avec les gauchers, mais c'est un travail. Je travaille toujours. Ce serait un droitier, je pense que ce serait deux, trois fois plus facile pour moi, en fait, pour le cadrer. Mais là, comme il bouge, il est aussi très rapide et réactif, donc il me gênait un peu avec ça. Mais sinon, c'est le travail qui rentre, surtout. Je suis fatigué après mon dernier combat. J'ai fait 13 semaines. Je suis reparti directement. Je suis arrivé, j'étais à 88 kilos.